tout le monde, c'est Marielle Chérif et Peur. Et donc aujourd'hui, on va commencer une série de 3 vidéos sur le layer cake. Donc on va commencer par la recette de la génoise. Donc pour un layer cake, 3 étages avec des moules de 24 cm. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on me demande, j'oublie toujours de dire le diamètre du moule. Donc 3 étages relativement fins. Si vous voulez faire que 2 étages, je vais vous mettre les deux quantités sous la vidéo. Les ingrédients pour 2 étages, les ingrédients pour 3 étages. Là, je prépare pour 3. Donc dans mon moule, j'ai déjà mes lipides puisque je vais utiliser un mélange d'huile de coco et de margarine. Je trouve que c'est la combinaison qui fonctionne le mieux pour moi après différents tests. Si vous n'avez pas d'huile de coco, vous pouvez très bien en utiliser que de la margarine en fait. Pour l'huile de coco en magasin, elle est relativement onéreuse. Je vous conseille de la commander en ligne. Moi, je la commande... D'ailleurs, je sais pas. Il n'y a pas de partenariat. Hein. C'est vraiment l'huile que j'utilise. En fait, je prends de l'huile de coco bio en 1000 ml. Donc là, c'est la marque Mea Vita, mais je prends d'autres marques aussi. Mitusso. Tu peux juste la tourner là. Oui, pardon. Je prends d'autres marques aussi. En général, la moins chère au kilo, hein, tout simplement. Hein, en huile de coco bio. Et je commande. Je sais que certains sont contre ce site, mais il est super pratique pour ce type d'ingrédients à prix abordable. Je commande sur Amazon. Pour ça. Donc, huile de coco. Donc, l'huile de coco, je l'ai déjà tempérée, elle est liquide. Ma margarine, c'est pareil, elle est pommade, hein, de façon à ce qu'elle se mélange bien avec le sucre. Je vais ajouter le sucre, donc du sucre blond et de la vanille. Donc, ne soyez pas choqués par la quantité de sucre, je répète, c'est pour 3 gâteaux, pour 3 étages, parce qu'en général, on dit oula, mais il y a beaucoup de sucre. Non, non, c'est pour 3 gâteaux. Donc, on va mélanger le tout. Voilà. Vous fouettez jusqu'à ce que vous obteniez, ben, en fait, une pommade, hein, mélange sucre lipide. Et voilà. Donc on va ensuite, on n'a plus que 3 ingrédients, hein, c'est super simple, plus la poudre levante. Excusez-moi, petites allergies. Donc on va mettre en alternance notre farine et le lait. Et puis bon, il y a la poudre à lever aussi. Je la mettrai avec la dernière fois où je mets de la farine. Donc là, j'utilise de la farine de blé T80. Vous pouvez utiliser de la T50, de la T65. Simplement mettre un tout petit peu moins de lait à ce moment-là. Voilà. Oups. Voilà. On va passer au lait. On va éviter de trop mélanger. Hein. Donc pour le lait, je l'ai légèrement tiédi. Pourquoi ? À cause de l'huile de coco. Je n'aime pas mettre du lait froid dans le mélange. L'huile de coco, si vous n'avez pas encore suffisamment de farine, elle va avoir tendance à reformer des petits grumeaux durs. Ce que vous voulez à tout prix éviter. Hein. Voilà, le lait. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, sans oublier à un moment donné de mettre la poudre levante. Ce que je vais faire, c'est que je vais la verser dans ma farine. Donc environ 10 grammes. Dernier ingrédient, la poudre d'amande. Donc on va ajouter, incorporer et notre pâte sera prête. On va passer à la cuisson. Donc là vous avez deux méthodes, vous pouvez soit cuire toute la pâte et couper ensuite votre gâteau en 3. J'avoue que je n'ai jamais tenté. Ou alors, vous pouvez cuire dans des moules à part. Donc, je n'ai pas 3 moules, j'en ai que 2. Mais je vais diviser ma pâte en 3 et je cuirai le troisième une fois que le premier sera sorti du four. Alors, c'est parti.
Voilà. Vous répartissez bien. Il y a une fine couche de pâte dans le fond du moule. Alors, selon comment votre huile de coco va réagir, il peut arriver que la pâte soit un peu plus épaisse. Je n'obtiens pas toujours exactement la même chose. À ce moment-là, n'hésitez pas à la répartir à la spatule dans le fond du moule. Donc là, je vais commencer la cuisson. Donc, si vous avez un four à chaleur tournante, vous pouvez cuire 2 ou 3 gâteaux en même temps selon le four, enfin le nombre de grilles dont vous disposez. Moi, j'ai un four à chaleur conventionnel, donc je vais les cuire un par un. 20 minutes de cuisson. Thermostat 6, 180 degrés, ou je dirais 18 minutes pour un four à chaleur tournante qui est plus rapide. Et voilà pour la recette de génoise. On se retrouve très vite avec 2 idées de layer cake pour la compléter. Ciao ciao !